Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre que vous ayez la notification. Voilà qu'il y a un petit peu de monde qui se connecte. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette express. Alors, je vais attendre un tout petit peu. Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? On met des petits pouces, des petits cœurs, un petit commentaire pour me dire que tout fonctionne bien. Alors, j'ai vu un pouce vite fait passer. Voilà, c'est top. Donc là, ça fonctionne. Bonjour Viviane. Voilà, on va attendre un tout petit peu, voilà, que tout le monde se connecte. Ça va être une recette vraiment express, donc on ne va pas se voir longtemps. Coucou ma louloute. Bonjour Nathalie. Alors, je vois que tout fonctionne, donc c'est génial. On est 30 déjà. Donc, on partage un maximum. Tout fonctionne bien, ma puce, c'est super. On se retrouve pour une petite recette de tartine express. Vous allez voir, c'est juste top et c'est un vrai délice. Le soir, vous servez ça avec une petite salade ou alors vous découpez des petits morceaux pour l'apéro. C'est juste top et vous allez voir, il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc ça, c'est génial. Est-ce que vous aimez les tartines? Est-ce que vous avez déjà, vous, fait des recettes, du coup, de tartines? Voilà, alors je vois que tout le monde se connecte, c'est super. Alors, donc du coup, moi, ce que je vais faire, pendant que tout le monde arrive, je vais vite fait laver mes tomates. On va faire des tartines tomates mozzarella, mais vous allez voir, du coup, c'est des tartines qui sont chaudes. Hein. Ça ne sera pas quelque chose de froid. Et ça, c'est vraiment super. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Donc, je lave mes tomates en même temps. Ça me permet, voilà, de rincer mes mains que j'avais lavées au préalable, hein, bien sûr. Donc, mes petites tomates. Voilà, tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes encore en vacances, peut-être? Vous revenez peut-être de la plage? Voilà, donc le plan de travail, c'est OK pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous? Vous voyez bien? Alors, c'est parti. Donc, vous allez voir, c'est vraiment une recette qui est très, très rapide à faire. Donc, déjà, je vais commencer eh bien, par couper mes tomates. Voilà, donc là, je vais retirer le petit, voilà, au centre. Hop! Avec mon petit couteau à tomates. Donc, c'est vrai que celui-là, il est génial parce qu'il est dentelé et ça permet de pas écraser du tout. Ah, je vois retour de vacances pour Viviane. Alors, j'espère que c'est pas trop compliqué parce que c'est vrai que les retours de vacances, c'est pas toujours chouette. En tout cas, bah voilà, j'espère que ça mettra un petit peu de baume au cœur de me retrouver pour, du coup, ce live recette. Alors, je suis en train de regarder. J'ai pas vu la personne qui a envoyé des étoiles. Je ne sais pas pourquoi que ça bug là depuis 2 jours. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait envoyé. Je mettrai un petit commentaire du coup après. En tout cas, merci pour les étoiles. On a un objectif de 3000 étoiles sur le live. Vous savez que si on atteint les 3000 étoiles, eh bien, il y a un cadeau que vous recevrez du coup juste après le live. Non retraité, ok. Allez, c'est parti. Donc là, je vais tailler tout simplement mes tomates avec mon couteau. Donc l'avantage, celui-ci, comme je disais, il est dentelé. Donc je ne vais pas écraser mes tomates. Je vais faire vraiment des belles tranches. Et ça, par contre, c'est un couteau qui ne passe pas dans l'aiguisoir. Hein. Donc surtout, n'essayez pas de l'aiguiser parce que ça l'abîmerait. Donc là, je coupe mes tomates. Voilà, je vais en couper plusieurs. Celle-ci a commencé un petit peu à s'abîmer. Ça permet voilà, de les utiliser aussi. Donc ça, c'est pratique. Est-ce que vous aimez la mozza? Donc là, on fait une petite tartine express. Vous allez voir, c'est sympa pour le soir. Donc soit à l'apéro, voilà, vous pouvez découper des petits morceaux. Soit avec une salade, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment top. Et c'est vrai que vous pouvez revisiter les tomates mozzarella. On les mange pas seulement en salade. Vous pouvez faire des œufs cocottes. Donc, pareil, avec la tomate et la mozza. Vous pouvez faire des gratins, tomates mozza. Les vacances sont finies et vous avez changé de cuisine. Alors, les vacances sont pas finies pour moi. Je suis encore en vacances. Mais voilà, j'aime bien vous retrouver. Et puis là, comme je vous dis, c'est une petite recette express. Donc, c'est toujours un plaisir voilà, de vous partager mes petites recettes. Hop. Et l'autre jour, j'ai testé celle-ci. Voilà, un soir, j'ai eu envie de manger des tomates mozza et j'ai eu l'idée de la faire en tartine. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous la partager. Donc, j'espère que c'est une recette qui vous plaira. En tout cas, nous, on l'a validée.
Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc là, je vais couper deux boules de mozza. Voilà. Donc pareil, hein, avec le couteau, c'est super pratique. Hop. Alors, on partage un maximum. On envoie un maximum d'étoiles. Voilà. Et la recette, bien sûr, se retrouvera sur mon blog www.cookedelice.com et vous aurez la photo du coup de la recette très prochainement. Donc là, voilà, j'ai fait déjà le taillage. Hop, normalement, je devrais avoir assez. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez, deux tomates. Là, je vais venir prendre ma plaque, hein, du coup, pour passer ensuite au four. Donc, je disais, c'est vrai qu'avec les tomates et la mozza, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, la plupart du temps, on le fait en salade. Hein, une salade tomate mozza, c'est vraiment un classique. Mais donc, comme je disais, vous pouvez faire des œufs cocottes tomate mozza, du gratin aussi tomate mozza. On peut mettre avec des pâtes, hein, pourquoi pas, c'est très sympa. Vous pouvez faire aussi de la glace tomate mozza. Bah oui, de la glace, on peut faire ça. C'est surprenant, mais on peut le faire. On peut faire des briques aussi, bah, avec les feuilles de briques, vous pouvez faire voilà, des briques tomate mozza. Donc ça, c'est sympa aussi. Vous pouvez faire bah, bien sûr les tartes, les quiches, etc. Donc il y a vraiment plein d'idées autour de la tomate et de la mozza. Donc là, moi, je vais prendre des tranches de pain. Alors moi, ça s'appelle le pavé céréalier. Moi, j'adore ce pain parce que bah, du coup, il est plein de céréales. C'est un pain qui est assez foncé. Je le trouve génial. Il est excellent aussi avec, avec le chèvre. Quand vous faites des salades de chèvre, c'est un pain qui est super. Je ne sais pas si vous avez ça par chez vous, mais là, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Donc là, je vais déjà mettre un petit filet d'huile d'olive donc sur mon pain. Voilà, comme ceci. Donc, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'espère que ça va vous plaire comme recette. Hop! Je vais rajouter un petit peu d'ail des ours. Voilà, donc là, c'est terre exotique hein, au niveau des épices. Ça parfume, ça donne voilà, un parfum très sympa. Donc moi, je suis généreuse. Hein. Un petit peu d'ail des ours. Voilà, comme ceci. Ça va vraiment donner du goût parce que le problème de la mozza, c'est souvent, on dit, ça n'a pas de goût. Donc là, franchement, ça va juste être superbe. Donc là, vous mettez vos tranches de tomates. Voilà, comme ceci. Prendre une petite là. C'est vrai que mes tranches de pain ne sont pas super grandes. Peut-être en faire une de plus, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y en aura peut-être pas assez sinon. Hop. Voilà. Mes petites tomates. Comme ceci. On est généreux, voilà. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Alors, je veux voir un maximum de pouces et de cœurs si vous aimez cette recette, si ça vous donne envie de la refaire. On y va. Allez, on s'active, on met des pouces, des cœurs. C'est juste top. Donc là, je vais saler poivrer mes tomates. Donc, bien sûr, celle de Noirmoutier. Ah, super, voilà ça. Vous êtes géniaux, je vous adore. Du poivre. Pareil, vous êtes habitué, c'est du 5 baies, c'est celui que je préfère. Alors, n'hésitez pas à envoyer des étoiles, hein, je vous dis, si, vous, si on arrive donc à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles, vous recevez un petit cadeau. Voilà, donc là déjà, je vous montre la première étape. Voilà, donc très, très simple. Ensuite, on va venir mettre notre mozza. Donc, c'est pareil, on va être super généreux. Ça va fondre et ça va vraiment gratiner. C'est juste superbe. Vous m'en direz franchement des nouvelles. Voilà, on va mettre ça comme ça. Je sais que vous aimez bien les recettes simples parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps de cuisiner. On cherche toujours des petites, voilà, des petites idées recettes. Et bien là, franchement, je pense que vous ne serez pas déçus sur celle-là. C'est vraiment hyper gourmand en plus. Voilà. Hop! Je calme mon petit morceau. Donc, vous voyez, donc là, j'ai deux belles tartines. Je vais venir resaler légèrement la mozza. Voilà. Repoivrer également. Allez, on continue de partager. On est 71. On va peut-être passer la barre des 100 ce soir. La recette est bientôt finie. Alors, on partage un maximum. Vous voyez, c'est juste une recette ce soir. Je ne vous parle pas produit. Je ne vous parle pas promotion. Voilà, juste une petite recette entre nous.
Je sais que vous aimez ça. Et ça, c'est sympa. Donc là, j'ai resalé, j'ai repoivré. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Donc c'est vrai qu'avec le verseur, bah, c'est pratique. Hop, un peu d'huile d'olive. Voilà. Et on va terminer par des herbes aromatiques. Donc là, moi, j'ai mon basilic qui commence à... Il a pris un coup de chaud. Donc avec le basilic, c'est vraiment excellent. Bien sûr, vous pouvez mettre aussi de la ciboulette, du thym. Voilà, quelque chose pour parfumer en fait le dessus. Donc là, bah, du coup, je vais mettre un petit peu de basilic. Et là, c'est direct vers le soleil qu'on va avec le basilic. C'est juste top. Vous pouvez mettre de l'estragon aussi, hein, pour ceux qui aiment. Pourquoi pas. Hop, du thym citron. On peut aussi. Vraiment, on met un peu les herbes. Voilà, les herbes qu'on a envie, hein, les herbes qu'on aime. Et puis, je vais rajouter, bah, vu que j'avais plus beaucoup de basilic, je vais rajouter un petit peu de ciboulette. Tout ça sur le dessus. Donc, bien sûr, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Moi, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que bah, là, il est encore un petit peu tôt. Moi, elles vont servir pour l'apéro ce soir. Voilà. Et du coup, vous mettez à préchauffer donc à 200 degrés. Parce que vous savez bien que par contre, quand vous avez... Alors, si vous mettez sur du papier cuisson, vous pouvez passer au grill. Mais moi, je ne suis pas très fan. Moi, je préfère que ça cuise tout doucement. Et donc, du coup, que le fromage, il fonde bien. Il va gratiner tranquillement. On ne va pas le brusquer. Et ça, c'est bah, c'est plutôt sympa. Donc, du coup, en fait, moi, je le mets vraiment à la fin donc, du préchauffage du four. Hein, normal, hein, quand vous utilisez la feuille arbor, c'est hyper important. Ne l'enfournez pas hein, sous le grill ou avant la fin du préchauffage, vous risqueriez d'endommager votre, voilà, votre plaque, votre feuille silicone. Et du coup, après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, vous faites tranquillement cuire à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, après, ça va dépendre des fours, mais vous mettez bien 15-20 minutes tranquillement. Et une fois que bah, la mozzarella a bien, voilà, est bien dorée, vous sortez du four, vous coupez des petits morceaux et puis sinon vous servez avec une petite salade. Hein, donc ça peut être de la sucrine, voilà, de la feuille de chêne, de la laitue et vous faites une jolie assiette avec ces jolies tartines. Moi, je vous mettrai bien sûr une photo du résultat. Voilà, donc comme vous, je vous ai dit, hein, c'est pas une recette élaborée. Ce soir, c'est vraiment très, très simple. Mais des fois, bah, les choses simples, hein, c'est parfois les meilleures. Et je sais que bah, du coup, des fois, on n'a pas trop le temps de cuisiner. Bah, là, au moins, on se fait plaisir. Et ça reste aussi voilà, très sain, très gourmand. Donc, on peut y aller. Voilà. Coucou Nirvana. Donc, en tout cas, merci pour les personnes qui ont envoyé des étoiles. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez encore aussi, hein, après, sur les replays, envoyer des étoiles si vous voulez avoir voilà, des petits cadeaux. Puisque bah, quand les étoiles sont atteintes, eh bien, j'envoie un petit cadeau aux personnes qui ont envoyé les étoiles. Donc, n'hésitez pas si ça vous dit. En tout cas, merci de votre soutien. Merci eh bien, d'avoir répondu présent ce soir pour, voilà, pour ce petit live recette qui était vraiment très, très court. Mais bon, des fois, c'est pareil. C'est bien aussi que ce soit court parce que bah, j'ai fait un live d'une heure hier. Donc, voilà. Là, ce sera court, mais ce sera bon aussi. Donc, on n'hésite pas à partager un maximum la recette. Et bien sûr, vous aurez la photo ce soir du résultat. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.